Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Auxor les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après WrestleMania, le vrai WrestleMania que je ne vous spoilerai pas. On se retrouve donc les amis pour ce mode univers. On était où? Je sais même pas, on était à TLC Motherfucker. Donc vidéo spéciale TLC, vous connaissez les bails. Nous sommes en rivalité avec Eric Rowan, le roux chauve. Voilà. Et ben c'est parti. C'est parti, j'ai touché aucun match. Donc je sais pas ce que ça va donner. Triple H, Bad News Barrett dans un match. Je sais pas quel match ça va être. Simulons. Bad News Barrett qui remporte cette rivalité. Braun Strowman contre Rusev. À votre avis, qui va gagner ce match? Rusev ou Strowman? Et bien, c'est Rusev qui a apparemment écrasé Braun Strowman de la plus belle des façons, sûrement avec un crush. Les tag teams sont en jeu, c'est premier titre de la soirée. Le New Day contre les Lucha Dragons. Qui va sortir victorieux de ce match? Je ne sais pas qui est les champions, on va se renseigner tout de suite. C'est les Lucha Dragons qui sont champions. Est-ce qu'ils vont perdre leur titre? Eh oui! Ils perdent, pardon, leur titre! C'est bien évidemment, les New Day qui sont champions. On retrouve Alberto Del Rio contre Randy Orton qui a fait son retour. Randy Orton, et ben c'est parti. Victoire de Randy Orton dans ce match. Neville met son titre en jeu contre Kane. C'est la revanche. Et c'est Neville qui conserve donc son titre avec succès. Le titre intercontinental est bien sûr en jeu. Et ben on va le faire tout de suite. Voilà, on va pas attendre plus longtemps. C'est parti, les amis. Je sais pas si j'ai un match important. C'est un match TLC contre Eric Rowan. Un TLC match. Je vais bien sûr mettre le mode lent. Hein, vous avez l'habitude désormais. Lorsqu'il s'agit de défendre un titre, on le défend en mode lent. Je vais également m'imposer une stipulation. Je vais pas tout de suite aller chercher l'échelle. Parce que les TLC match, même en lent, on peut les gagner assez vite finalement. Mais je vais m'imposer. Faut au moins que je mette l'adversaire en rouge pour aller chercher. La ceinture. Faut au moins que l'adversaire soit rouge dans ses points de vie. Pas avant. Voilà. Parce que je me suis déjà fait ce genre de match et j'arrive à aller chercher la ceinture très rapidement sans vraiment blesser l'adversaire. Donc là, non. Un TLC, quand même, ça se fait relativement de façon assez exceptionnelle. Donc on va faire un match exceptionnel, du moins je l'espère. Momentum lent, c'est parti. Je suis Dean Ambrose, je suis donc en défense de titre, les amis. Titre intercontinental qui est en jeu. Et je pars déjà, eh ben, très mal dans cette rencontre, puisque je me fais déjà jeter comme un vulgaire manche à balai par Eric Rowan, qui va direct chercher quelque chose. Hein, le mec, il part direct. On voit la ceinture hein, qui flotte au-dessus là-bas. Voilà, c'était ça. Chaise contre chaise. Ouh! Je l'ai prise dans la gueule! Je l'ai prise dans la gueule! Bien sûr, pas de spoil hein, sur WrestleMania 32. Le débriefing de NXT TakeOver va arriver. Et le débriefing de WrestleMania et de Raw vont également arriver à leur tour. Vraiment grosse semaine de catch. Vous allez bouffer du catch quasiment tous les jours. Donc, ça va être épique. Ça va être épiquissime. Allez, voilà. Chacun son tour, le coup de chaise. Et là, moi, je veux pas le lâcher. Moi, je veux pas le lâcher. Moi, je suis pas du style à me faire avoir, hein, voilà. Oh, le coup d'échelle maintenant. Donc tout ça, ça va arriver sous peu sur la chaîne. Rassurez-vous, de grands moments. Franchement, de grands moments là sur la chaîne, les amis. Avec ce WrestleMania, avec NXT TakeOver, vraiment, vraiment, les amis, on va se régaler. Je vous assure. Allez, je prends la table quand même. C'est TLC. Il y a des tables aussi sur TLC. Et boum, on l'écrase sur la table. Il s'est écrasé sur la table, le pauvre. Ça doit faire mal un petit peu quand même. Hein. Un petit peu. Je pense que ça va un petit peu faire mal. Ça va un petit peu piquer, je pense. Allez, on essaie de la ramener au sol. Voilà. On se rappelle, hein, les 4 descendus du coude. Des 4 coins. On va essayer de les exécuter, peut-être pas tout de suite, mais on va y faire au fur et à mesure du match, je pense. C'est 4 descentes du coude, les 4 coins du ring.
to his base here. You know, Michael, when I think of Eric Rowan, which I'd rather not, it's almost impossible for me to choose which of his weapons is the most dangerous. Ouais, il met un petit coup. When you combine that speed, de l'affaiblir à un poil. And mental state, you get one scary individual. Je mets la table. Pas proche de la table là, mais je mets en place. Je dis, pourquoi pas. Non, 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 non. Ouf. Je me suis fait exploser. Je me suis fait exploser. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Oh là 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 là. Allez, voilà, il s'est pris. Il s'est pris. Il s'est pris l'échelle en pleine gueule. Allez, par là. Voilà, c'est à toi, à ton tour. Non, il veut pas rester sur l'échelle, c'est pas grave. On y va. Oh, il m'a contré. Rencontré. Oh, encore une fois. Voilà. Voilà, allez, voilà. Allez, 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 allez. Et attention, la souplesse, la souplesse. Oh, la souplesse sur l'arrêt de l'échelle, comme ça. Ça va pas faire du bien. Ça va pas vraiment faire du bien. Elle vient me chercher. Il vient me chercher par la peau du... par la peau du cou, j'allais dire autre chose. Ça commence par un C, effectivement. Oh, oh, j'ai fait taper sur Jerry Lawler. Ça n'a pas été fun. Hein. Faudrait peut-être pas qu'il nous fasse une attaque cardiaque en plein show. Ce serait dommage. Aïe, il passe par-dessus nos épaules. C'est bien joué, ça. Il vénère, Rowan. Il est très vénère, Rowan. Il y a le titre hein, qui est en jeu, bien sûr. On se rappelle, hein, Rowan avait déjà tenté sa chance avec la mallette pour le titre, titre des États-Unis. Il avait raté. Ce soir, on lui offre cette chance hein, à Rowan d'être champion intercontinental. Son premier titre, peut-être, ce soir. Mais c'est pas gagné encore. C'est pas gagné pour Rowan ce soir. Pas encore, il est pas encore 100% sûr d'être champion. Voilà. On le blesse un petit peu. Laisse-moi ta gueule. Oh, ouais, je me suis fait détruire. C'est le descendre des avant-bras. Attention, 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 attention. Oh, dans l'escalier, dans l'escalier, dans l'escalier. Regarde-moi ça, tiens. Je lui balance une chaise sur lui, c'est normal. Je le marre directement là. C'est pas trop qui s'est passé, il m'a poussé ou quelque chose comme ça. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh là 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 là, il m'a déchiqueté. Rupture des abdos. Qu'est-ce qu'il fait Rowan là? Il reprend. Oh là là, faut que je me relève. Faut que je me relève très vite là. Très très vite. Fissa. Fissa, fissa. Elle est par là. Redescend par là. Allez, 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 allez. J'ai pas mon ami. J'ai pas mon coup d'accordonnage. Oh, je suis bugué. Oh, j'étais bugué. J'étais bugué de l'infini. J'étais bugué de l'infini. Michael, you mentioned Dean Ambrose and his dirty deeds finisher. Coup de table, pardon. Deuxième coup de table. Troisième coup de table. Oh tiens, voilà. On va quand même pas lui donner trop facilement cette victoire, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas d'accord, moi. Personne me donne la victoire facile, moi. Hein? Personne m'a donné une victoire facile là. Ou je crains le pire. Je crains le pire pour Eric Rowan et même pour Dean Ambrose là. Là c'est beaucoup de risques là. Là c'est beaucoup de risques. Là c'est beaucoup de risques. Il y a l'échelle. Il y a l'échelle les amis. Le dos. Oh, oh mon dieu, ils sont carrément suicidés sur l'échelle là, je suis déjà debout. Hein. Déjà debout. Il a le hit. Qui a passé. Il a passé sur l'échelle. Oh, sur l'échelle. Voilà.
Descendre du coude. Descendre du coude. Descendre du coude de la crise cardiaque. Descendre du coude. Ouf, je me suis raté. C'est pas vraiment une descente du coude que j'ai mis. Je suis complètement cuit également. Je me relève pas pour l'instant, j'ai vraiment du mal. On va essayer une deuxième, pourquoi pas. Allez, la descente du coude cette fois-ci, ça serait pas mal. Descente du coude! Sur Rick Rowan, sur l'échelle. Oh, l'échelle qui me sort des bras. J'ai même plus de force pour prendre l'échelle. J'ai même plus de force pour prendre l'échelle. Je peux plus prendre l'échelle. J'ai plus de force pour prendre l'échelle, c'est cuit, pas ça. Allez, je le porte. Il m'a contré. Sur la table. Oh, sur la table. Sur la table, carrément. Quel match. Épique pour l'instant. Les deux superstars se détruisent mutuellement. Oh, là, j'ai pris un coup. Non, faut pas qu'il y aille. Il vient de descendre par là. Oh! Oh, il m'écrase la tête. Il m'écrase les tympans. Oh. Ça va être dur. Ça va être très dur. Il a déjà touché deux fois la ceinture. Oh, ça va peut-être être bon pour Eric Rowan là. Qui va décrocher le titre, sûrement. Non! Viens par là! À la seconde près! À la seconde! Non! Oh, c'est fini! C'est fini, les amis! C'est fini! Il va aller chercher le titre! Je vais pas pouvoir me relever assez vite, je pense! Je connais un peu, hein! Je commence à m'y faire. Ah, quoique! Il m'a laissé une chance! Cette chance, il aurait pas dû! Il aurait pas dû me laisser cette chance! Allez! On y va, on est fatigué! On y va quand même. Allez, j'ai la ceinture. Oh. Non, pas le powerbomb. Le powerbomb. Qui met un terme quasiment définitif. Oh là là là, le kick. Le kick qui... Terminé, je pense, là. Le finisher, attention. J'ai contré. J'ai contré Eric Rowan. Je le monte sur la troisième corde. C'est dangereux, c'est périlleux. Oh, attention. Et je l'ai contré. Oh, le power slam. Le power slam porté à la vitesse de la lumière. Non, proche descends. Oh, il m'a fait tomber d'échelle. Je l'ai pas contré. Détruit. Totalement détruit. Pourquoi il me relève? Il veut terminer. Il veut terminer Dean Ambrose définitivement. J'ai l'impression qu'il veut le blesser. Il veut blesser Dean Ambrose, Rick Rowan. Il en a marre. Faut le rappeler peut-être vite fait encore une fois. Il a caché la mallette pour rien. La première fois. Je l'ai contré. Il a caché une mallette pour rien et je pense qu'il a de travers. Il a vraiment de travers cette mallette. Il a peur que ce soir son match s'envole. Je sais pas, vous avez l'échelle correctement. Le bulldog, il saigne définitivement là. Ouverture de l'arcade sûrement. Oh, je sais pas s'il a bien placé l'échelle. On essaie de monter avec Dean Ambrose. C'est dur. Allez, le titre dans nos mains. Ce titre, on l'a. On a le titre. On conserve le titre avec Eric Rowan, avec Dean Ambrose dans un match rondement mené. Quel match de malade. On conserve donc le titre intercontinental. Après un match fou, un match dingue, ce titre intercontinental qui nous tient à cœur, et bien il est à nous. Victoire sur Eric Rowan donc, après un match relativement long finalement, et très dur.
Il est fatigué, hein, Dean Ambrose. Ça se voit sur son visage. Le mec, il est cuit. Un match rondement mené. Oh la madame, non, non. Baissez les bras. Ton petit, reste assis. Ah, il a encore la force de monter sur, sur la deuxième corde. Allez, toi, la deuxième, voilà. Et il fête son titre, donc. Ce titre intercontinental. Mérité, hein. Largement mérité. Et on va aller sur le main event. De... Ah, encore 5 semaines de rivalité contre lui. Un champion depuis 36 semaines, quand même, avec Dean Ambrose. Ah, la rivalité qui continue, donc. Effectivement, elle ne s'arrête plus, cette rivalité. Triste. On va terminer donc avec le main event de la soirée. Asuka contre... Eh bien, Dean Ambrose... Asuka contre Dean Ambrose, non. Asuka Becky Lynch pour le titre des Divas. Je ne sais plus laquelle des deux est d'ailleurs championne des Divas. Je ne m'en rappelle plus. Je vais vérifier ça juste avant. Donc, ouais, c'est juste épique hein, pour l'instant. C'est des grands moments, des grands matchs qui ont lieu. Asuka Becky Lynch, me semble-t-il, si mes souvenirs sont bons. Championne des Divas, c'est Asuka. Asuka Becky Lynch, victoire de Asuka, qui défend donc son titre avec beaucoup de succès. On est du côté de Raw maintenant, juste après TLC. Donc, comme vous l'aurez sans doute compris, on va faire que TLC dans cette vidéo. La suite, ce sera pour le prochain épisode, semblerait-il. Et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez apprécié ce TLC. Gros bisous à tous. Bye bye. Ciao, ciao.